Hello les amis, c'est Lydie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout petit tuto dans lequel on va parler des fameuses lumières éthériques. Donc bien évidemment, c'est un composant qui ne sera utilisable qu'à partir du 19 mai prochain puisqu'il est lié à la sortie du prochain DLC, la Maison des Loups. Donc avant de vous parler des 4 possibilités pour obtenir ce fameux composant, je vais tout simplement vous rappeler à quoi il peut bien servir. Donc ce fameux composant va tout simplement vous permettre de monter vos armes légendaires jusqu'au niveau 365 de puissance. Donc faites bien attention par contre, avant de partir à la chasse à la lumière éthérique, que l'arme que vous souhaitez monter peut bien accueillir une capacité de lumière éthérique, un petit composant qui va vous permettre de la monter en puissance. Pour ce qui est du reste, sachez qu'il existe donc 4 moyens de l'obtenir. La première étant dans la prison des vétérans, la deuxième dans le tournoi d'Osiris qui aura lieu tous les week-ends, et les 2 dernières possibilités, et c'est là où ça devient intéressant, ce sera donc en nuit noire et également dans l'inventaire de Lord Saladin à chaque nouvelle bannière de fer. Vous l'aurez donc compris, vous pourrez bel et bien monter vos armes jusqu'au niveau 365 de dégâts sans avoir besoin d'acheter le prochain DLC. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Je vous l'avais dit, ça allait être très très court, il n'y a pas besoin d'en rajouter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me laisser un message dans l'espace commentaire, à partager, à liker. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ciao !